On ne peut pas laisser disparaître l'école de Paris. Donc ce que nous le faisons pour les générations futures. Parce que c'est quelque chose qu'il faut préserver, parce que ça serait laisser partir dans l'oubli les modalités de travail sociales, sociologiques, des plus grands maîtres de l'art contemporain qui ont marqué l'histoire de l'art mondial. Et on ne peut pas laisser disparaître cette dimension sociologique qui a généré une nouvelle esthétique. Et dès lors, ça montre aussi que l'être, l'individu, est essentiellement social. Qu'il soit artiste, de toute discipline, il est essentiellement social, puisque de toute manière, il ne peut être que social, non seulement pour exister en tant que lui-même, mais également par rapport à un public. Et dès lors, c'est tous ces fondamentaux de la première école de Paris, à une époque peut-être qui était moins perturbée par des médias, comme par exemple télévision, etc., informatique aussi, Internet, et qui était sur des critères humains essentiels. La belle époque aussi, les années folles, c'était le goût de vivre, c'était la joie de vivre aussi. Et dès lors, on avait le son à tirer d'un point de vue sociologique, d'un point de vue des beaux-arts, d'un point de vue, on peut dire, esthétique, de théorie esthétique. On a beaucoup de leçons à tirer de cette première école de Paris, et surtout, on a besoin d'appliquer ces leçons que l'on tire de l'école de Paris, de les appliquer pour la nouvelle, pour l'école du 21e siècle. Aujourd'hui, promouvoir l'école de Paris, c'est aussi le besoin de la connecter à son temps, à son siècle, à son époque. Comme je vous le disais, avec des nouveaux moyens, il faut qu'il y ait à nouveau cet esprit, on pourrait dire interactif, entre les artistes, de tous les domaines au sens large, que ce soit de l'architecture au design, et puis ce n'est pas exhaustif, bien entendu. On parle, comme je vous le disais, de littérature, de théâtre, de musique, de poésie, de danse, de cinéma aussi, de photographie. C'est la création visuelle et l'esthétique de tous ces domaines au sens large qui doivent être remis en interactivité. En fait, ce sont ces créations croisées qui seront pour l'avenir, qui ont été pour le passé source de progrès, qui le seront aussi pour l'avenir, en sachant qu'il faudra que cette école de Paris du 21e siècle intègre les arts en faisant appel aussi, comme on le disait précédemment, aux nouvelles technologies qui s'avancent déjà avec des nouveaux supports, des nouveaux objets, des nouveaux moyens de création. C'est l'ensemble de cette création originale globale qui est concernée dans toute la pluralité des domaines de création. On a besoin, c'est une nécessité nationale, culturelle, de promouvoir le renouveau de cette école de Paris afin qu'elle soit connectée à son siècle, avec sa vision d'ouverture internationale, avec le souci d'intégrer un facteur essentiel aussi, c'est celui de la solidarité artistique interculturelle, transnationale, dans la capitale. Mais en y incluant aussi une autre forme de solidarité actuellement, il ne faut pas oublier, c'est aussi une nouvelle forme de solidarité aussi envers la planète. Et effectivement, il y a un lien entre l'école de Paris du 21e siècle qui a vocation à être internationale et effectivement un souci aussi d'être sensibilisé à une solidarité envers la planète, qui est devenu aussi, il faut le dire, une nouvelle valeur humaine, c'est-à-dire de préserver notre environnement. Ça sera une école de Paris qui vivra avec son temps.
aujourd'hui à Paris, en ce 23 octobre 2020, avec l'adoption du manifeste artistique, c'est un nouvel essor qui s'avance pour la vie artistique parisienne, française et internationale pour l'avenir. Ceci, avec cette école nouvelle, cette école de Paris renouvelée du 21e siècle, l'école de Paris, qui, dans l'avenir, pourra aussi permettre aux générations à venir, dans ce siècle nouveau, de comprendre aussi la valeur des grands maîtres de l'école de Paris. Et également, je suis aussi aujourd'hui, à l'occasion de ce centenaire, je voudrais avoir une pensée émue envers tous ces grands maîtres qui nous ont légué un patrimoine culturel, et c'est notre devoir de le perpétuer, de le pérenniser dans le 21e siècle. Je vous remercie.